Ouais, j'ai une vingtaine d'hectares. Je suis arboriculteur à Rognonage, une vingtaine d'hectares de vergers. Une moitié en poire globalement et une moitié en pomme. Et je suis en bio depuis 2001. Sur les poires et les pommes. Sur les poires, j'utilise sur Williams principalement. Et en novembre, je cueille les Williams en août et je me sers des modules jusqu'au mois de novembre. Et ensuite, je suis en octobre-novembre sur Chantecler, voire Gold Rush, en fonction là où je fais deux utilisations de modules. Et là où j'en fais qu'une, bon, je les mets un petit peu plus tôt, quoi. Mais l'intérêt de pouvoir faire deux utilisations, c'est l'amortissement des modules, quoi. Et j'ai de très bons résultats sur Williams. Sur pommes aussi, il faut un petit peu surveiller quand même la gosporiose, hein, mais j'ai des bons résultats et c'est très intéressant pour les pommes qui ont tendance à flétrir. Et globalement, j'ai remarqué sur la famille Golden, c'est-à-dire de Chantecler, c'est-à-dire Gold Rush et d'autres. En fait, je travaille beaucoup avec Biocoop et je vends des pommes 8 mois par an. Et l'intérêt, c'est de fractionner et de pouvoir chaque variété la faire durer, qu'elle ait un cycle plus long, quoi. Parce que je gagne 1 à 2 mois avec des modules. C'est intéressant pour des exploitations moyennes qui travaillent sur des durées assez longues et avec une clientèle suivie.